S'il était élu, aujourd'hui il est invalidé, pourquoi Daniel Safo, Mike Moukeba, il est là, ne mérite pas être appelé déshonorable. Chatoumba est content de l'invalidation de Daniel. Je suis très content, j'ai pris du champagne pour dire, ah, monsieur Daniel Safo, merci, tu dois retourner à écrire encore, publier ton journal, ta presse, les points saillants que j'aimais lire, même à distance. Tomouni Souka Kabila et Lengi. Ta permanence est IDPS Batumba, on a eu que la bafane. Bakoufi, tu continues la vie. Être honorable, en tout cas, Daniel Safou, ah, je salue vraiment la Cour constitutionnelle qui a fait un travail de titan pour nous mettre hors d'état de nous, ces individus. Nengi Baloubaka, Nabissou Nakasai Baloubaka, et Langaïsi Sakapoukouté. Aboumaka, Asadi, Souka Souka, Babouki, Sidité, et Langeleki. Non, Batouya, IDPS Wana, Baye Wana, parce qu'ils ne comprennent aussi rien. Les enjeux, ils les dépassent. Ce qui va enjeu et l'équipe Bango, ils croient que cette démarche qu'ils font est vraie. On ne peut pas s'arrêter parce que Batoubakoufi, Batoubakoufa, na guerre il y a 100 ans, Batoubakoufa, na révolution française, le France est ton âme, Bakoumé na démocratie. Batoubakoufa, kakaka. CongoDialogue.com. Nous avons un grand réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos machines, devant vos postes télévisés, vous qui nous suivez partout dans le monde en ces nets moments. Nous, Masolo et Politiki, avec votre aimable serviteur Steve Kambanga. Aujourd'hui, nous revenons pour recevoir Bishop Chatumba, parce que l'actualité oblige, c'est la bouche autorisée du pouvoir en place, la grande gueule en fait, il est infatigable. Donc à tout moment, même quand il se réveille, il est prêt à répondre à toutes nos questions. Il suffit d'éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur ce qui concerne la République démocratique du Congo. Bishop Chatumba, bonjour. Bonjour, monsieur Steve. Un garçon équilibré, intelligent, poli, bien indiqué. Vous méritez toute notre considération parce que ton travail à la face du monde, c'est un travail de qualité. Un travail intelligent, un travail qui te met, et c'est comme on dit autrefois, comme Vital Kamer dit, parler au Parlement, dit qu'il était l'église au milieu du village. Toi, tu es là, on ne t'influence pas. Tu es objectif dans ton élément, c'est ce qui est un élément très important. Merci Bishop Chatumba. Revenons pour parler de l'actualité. La semaine passée, l'Assemblée nationale a créé dans l'Assemblée plénière une motion qui voulait convoquer le président de la République, chef de l'État, pour qu'il réponde devant le Parlement sur ce qui concerne sa signature et les contresens du Premier ministre qu'on juge inconstitutionnel. Et quelle est la lecture faite, Bishop Chatumba? Non, c'est quand je suis rentré en profondeur de toute cette motion, la personne qui a fait la motion, il est de quelle origine? Il est de l'Équateur. Charles Nawej Moumbele. Non, Nawej a fait une répercussion en appelant chef de l'État qu'il était dans la distraction sans bonne lecture. Mais la personne qui a fait la motion, il a commencé la motion, il est de l'Équateur, il est du MLC. Les gens du MLC sont de la Moka. Alors ces gens-là voulaient une émettre, puisque dans le cœur de Madame Janine, cette dame-là, c'est une dame qui, dans son esprit, n'aime pas le pouvoir de Félix Tshisekedi. Puisqu'elle est aussi de l'Équateur. Les gens de l'Équateur avaient fait un bloc dans l'esprit de détruire l'image du chef de l'État. Voilà, ces gens-là, ce sont des gens mal intentionnés. Voilà pourquoi ils avaient organisé leur motion-là pour créer les maîtres dans la ville de Kinshasa. Moi, je les appelle, c'est une bande de impolis. Les élus du peuple, et vous les traitez. Ces gens-là sont des gens nommés. Ils ne sont même pas élus du peuple. Élus par qui? C'est la liste des Nanga qui a fait de ces gens-là députés. C'est comme aussi la liste des Nanga a fait Tshisekedi, président. Non, Tshisekedi est élu par le peuple congolais. C'est contrario, lorsqu'on dit que les députés sont nommés, le président est élu. Non, Tshisekedi, il y a eu des contentieux à haut niveau avec beaucoup d'avocats.
de la Mouka qui voulaient voir la vérité, connaître la vérité. Ils sont allés à la cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle a fait une plénière. Dans la plénière, noir sur blanc, les Lamoukistes n'avaient aucun argument. La cour constitutionnelle a refusé les récomptages, mais pour invalider les députés de la Mouka, on accepte les récomptages. Jamais dans le monde entier, jamais en aucun pays du monde démocratique, on fait le récomptage des voix. Mais on l'a fait avec les députés, Raphaël Kibouka. Non, non, les députés, c'est différent. Les députés, c'est une petite marge pour faire un récomptage. Mais la République démocratique du Congo, sa dimension, faire un récomptage, ça allait nous prendre combien de mois? Ça, c'est une distinction de la Mouka. Au niveau de la nouvelle technologie, de l'information, non, de la communication. De l'information, tout ça, il fallait. La mauvaise foi, l'instrumentalisation de la Cour constitutionnelle pour valider. C'était un gros piège, Ces gens-là voulaient les distractions. Fayoul n'a pas apporté ses preuves montrant qu'il avait gagné les élections. Il n'en avait pas gagné, il n'en gagnerait pas, et Fayoul ne serait jamais président dans ce pays. Ce sont les députés du FCC qui portent des prêts qu'ils ont gagné les élections. Non, non. Jusqu'à là, on n'invalide pas au FCC, on n'invalide pas à Cash, on n'invalide que chez la Mouka. Non, non, on n'invalide pas chez la Mouka. Ces gens-là, ils ont des litiges. Un homme comme Daniel Safou, est-ce que Daniel Safou, quand tu les regardes d'abord dans les yeux, tu les regardes ses yeux de culbration, tu regardes son style, sa façon de faire. Est-ce que Daniel Safou pouvait être un très bon député? Mais il était élu à Mouamba. Non, élu par qui? Si il était élu, aujourd'hui il est invalidé. Pourquoi? Il n'est pas invalidé instrumentalisé. Il est invalidé parce qu'on a trouvé que dans sa victoire, il y avait des litiges, il y avait des contestations. Les contentieux ont prouvé, noir sur blanc, que M. Daniel Safou ne méritait pas être un honorable. En tout cas, moi, ça m'étonne. Moi, mon problème, c'est l'éthique. Ce sont des conditions où c'est l'effet d'accepter la souveraineté primaire du peuple congolais. Le peuple du Mouamba a élu Daniel Safou Mbaou. Aujourd'hui, vous le mettez à côté parce que vous ne voulez pas de lui, parce qu'il met mal à l'aise les pouvoirs en place. Non, c'est non, ça. Non, est-ce que dans la politique, c'est la chasse aux sorciers ou c'est la méritocratie? Son éthique ne permet pas. Daniel Safou, Mike Moukeba, les deux là, ne méritent pas être appelés déshonorables. Parce qu'ils vous disent la vérité. Non, aucune vérité. Ils disent quelle vérité? La vérité, il faut être impoli. Vérité, il faut être brutal. Il faut être insultant. Il faut être méprisant. Parce que quand quelqu'un il est honorable, c'est quelqu'un qui doit dégager une certaine éthique. C'est un éducateur de masse. C'est un faiseur d'opinion. C'est un représentant du peuple. C'est un élu du peuple. Chatoumba est content de l'invalidation de la Je suis très content. J'ai pris du champagne pour dire ah, mais c'est Daniel Safou. Merci, tu dois retourner à écrire encore, publier ton journal, ta presse, les points saillants que j'aimais lire, même à distance. Voilà, retourne à ton métier. C'est un métier qui... Tu méritais ce métier-là. Ce n'est pas aller au Parlement. Là, il n'insulte pas. Non, là-bas, il peut insulter, il est libre. Il peut faire ce qu'il a besoin, envie de faire, mais parce qu'il n'est pas représenté, c'est son entreprise privée. Il peut faire baisser ton entreprise, ce qu'il en voudra. Mais être honorable, en tout cas, Daniel Safou, je salue vraiment la Cour constitutionnelle qui a fait un travail de titan pour mettre hors d'état de nous ces individus, ces deux individus perturbateurs, perturbant la cohésion nationale, la paix sociale. Alors vous devez aller au garage. Et quelle cohésion, Chatoumba, venez. Non, nous voulons l'unité, nous voulons la cohésion nationale. Maintenant que vous accusez le FCC, soit à l'instrumentalisation de ceux qui cherchent à destituer Félix Antoine Tshisekedi. Non, non, FCC ne peut pas vouloir faire ça, parce que FCC et Cash, nous sommes devenus un. C'est que les gens oublient. C'est vous les cadres qui les dites, c'est pas la base. Non, non, la base c'est ça. La base n'est pas l'information. La base, parce que dans la base, chaque. Bon, on a l'ingala pour combattre. Base, basali, biteni, biteni, esa base, esa beaucoup révélé. Mais base, la biso, nous on se ébique. FCC, Bokangango. Ce que vous avez la distraction, je le répète encore. FCC n'a cache tokomi loko moko. IDPS n'a UNC, toza na cache. Toza un. Na unité d'ambition, tobakisi, FCC. Pourquoi? Nous voulons diriger ce pays, co-diriger le pays, tout ensemble. Expérience à FCC, na technique, intelligence, il y a cache.
tout diriger Mbokao. Bako Sibinote que FCC peut vouloir la chute de Tshisekedi, ne peut pas oser jouer. C'est contradiction parce que lobby, Nanayo, Tozari quelque part, n'a pas parlé du peuple Kuna, Maman Nabitumba, Honorable Muzaka Yembe, Pasolie Bilamba, parce que Baye Bika Aza député. Deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, ba betie na niveau qui a zoki et na garde corps na ba militant ya IDPS. Et quand vous parlez de la cohésion et que votre base est à l'opposition, vous faites quelle politique? Non, parce que la base, on est en train de faire un travail parce que la base c'est, vous savez que c'est moi qui suis fautif, hein, mais non, j'aimerais qu'on en parle. Tu as raison. Non, je pose mes questions en français. Nazon en lingala. Ozan a raison. Base na biso et ça le coup la ndako. Ndako za na quatre enfants. Bah, on interprétation mais en général la base nous sommes en train de faire un effort pour te dire base la biso que boye baké FCC na biso cash toza eloko moko mais il dépense très il dépense il est très il est FCC ils appellent pas parti politique là oui belé mais toza PPRD toza eloko moko parti bon notre était bah. Voilà, nous sommes en train de faire la minute. Il n'y a pas un Rwandais au Congo. Il n'y a pas un Rwandais au Congo. Enseignement à Congolais. À Bazaba Congolais, puisque tout ça peut être Congolais, Bazan des institutions dans Rwanda. Bazan est là, Rwanda, prêter serment pour passer dans Rwanda. Bazan Rwanda, il faut que tu aies un Rwanda, tu aies un peu Rwanda. À part être qui a mané, il y a des institutions. Je ne sais pas si tu as joué au Congolais, mon nom est Rwandais. Mais un officiel rwandais d'origine. Et wana za bali mambo ba binationaux. Mais moi je parle maintenant des animateurs des institutions. Quel est ce Congolais que Tshatumba connaît personnellement qu'il dirige aujourd'hui le Rwanda? Ah, nous avons une femme congolaise qui est l'administrative, l'administratrice d'une grande compagnie au Rwanda. C'est, on a exhibé ça à la télévision. C'est pas officiel. C'est officiel, rwandais, congolais. Est-ce qu'elle n'est pas dans une entreprise, dans un service public? Non. On le dit bien que c'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est déjà cette entreprise. C'est déjà le coin de l'eau. Awa, Bati Moutou, Bati Na Tolo, Bati Na Lac, Aza Rwandais. Et vous pouvez mettre la Congo. Les Congolais ne comprennent pas que nous sommes partout. Comme ils sont aussi partout, nous sommes des pays frontaliers. Tshatumba soutient les étrangers parce que son président Kamere n'est pas congolais. Ah, mais c'est ça ce qu'on dit. Kamere est congolais d'origine des pères et des mères. Moi, je suis en Angouche. Je suis en Angouche. Je suis en Angouche. C'est ça qui est tout. Parce que ce qui est en Angouche, c'est ce qui est en campagne, tout ce qui est en Angouche. Je suis en Angouche. Je suis en Angouche. Et moi, fils, mon congo, quand il était vraiment sous son arbre, tu regardes le barbare, alors qu'on a banni, tu connais qu'il est banni, tina angoisse. Abraham, alors qu'on a tout ce qu'il est banni, tina angoisse. Qu'on n'angoisse pas, bah, là, au moins, accepter que Kamere c'est un congo. Aïe, bien, est-ce que Yokoba n'est pas Abraham? À quel instant il voit ses intérêts? Non, non, parce que, bah, quel comment. Moi, je sais que mon président, c'est Sekedi Félix Oyo. Avant que dans ma vongo, tant que secrétaire de ma vongo, ma vongo a fait un caméra rwandais, bah, voilà, c'est Sekedi Félix. Kabundo, bah, voilà, Félix, c'est Sekedi qui nous dit mon consent. Mais c'est Sekedi aussi, Félix était dans cette logique-là. Il y a un autre même miette. Vous avez fait un Congolais, un traître de sa nation, et vous êtes content. Il y a un vrai Congolais comme Félix Tshisekedi, qui a dit que le Rwandais. Non, avec son éducation, ce sont des gens qu'on ne manipule pas. Tshisekedi est ici de quelle façon? Vous l'avez réussi quand même. Non, beaucoup sauté. Tshisekedi, Félix est de un Camerounais que je respecte scientifiquement, très intelligent. Très malin aussi politiquement. Il a dit quand même avec sa malignité convaincre son jeune frère Félix Tshisekedi pour qu'il va rejoindre FCC. Réalité politique et sociologique. Comment ne vous pardonnera pas Réalité sociologique et politique. Au moins il y a une zone politique c'est pour la banalité. Politique c'est pour les nobles. Politique c'est pour la classe. Au moins politique dans le Congo il faut prendre une et il faut que n'importe qui n'a classe t'es basé sur des gens comme politiciens. Parlementaire. Il y a une besoin de comprendre certaines choses des dépasses. Vos alliés de cash. Nazo il besoin de certaines choses des dépasses. Il y a une zone nous avons besoin que politique soit la banoble. Banoble va récupérer politique parce que banoble qui décidait des sorts du pays. Ma clergé. Ah parce que dans ma projection. Pour la, le futur des nations. Mais les lots politiques à Congo, et que nous soit la moki Daniel Safo, à combien de députés, nous soit la moki Mike Moukebaï, à combien honorable. Comme peut parlementaire debout, il y a IDPS, la moki, comme il y a fini à Batou, on a parlé du peuple. Jamais. Non, Batou, il y a IDPS, parce qu'ils ne comprennent aussi rien. Les enjeux, ils les dépassent. Ce qui est enjeu, l'équipe, il y a un peu de courage que.
Cette démarche qu'ils font est vraie. Mais pourtant, il faut le faire comprendre. Yango, je salue l'intervention de Marc Aboun la Poutou pour lui expliquer que vous pouvez baké. Cash na FCC tozali elo comment ko bandeko na ngai bazana poto na bandeko bazana boye ba ke cash na FCC tozali elo komoko c'est une cohabitation pour diriger ce pays même quand on veut destituer les chefs de l'État. Écoutez quand le conseil maintenant on destitue, c'est pas le parlement qui peut destituer les chefs d'État, ça ne se dit pas, ça ne se fait jamais, ce n'est même pas un article dans une constitution qu'on peut destituer les chefs d'État par non, par le cas de la haute trahison non. Il peut être demi de ses fonctions. Et il est poursuivable. Je suis constitutionnel. Non, c'est dans le cas des congrès, des oui. Parlements. Oui, donc le parlement aussi, quelque part, est compétent. Lisez l'article 242 de la loi. Mais oui, c'est en congrès. C'est quand il y a congrès, oui, les deux parties entre le Sénat. L'intention commence par l'Assemblée nationale. Mais le Sénat ne peut pas accepter ces désordres-là. Et s'il accepte, le Sénat a plus de 90 sénateurs et ceci. Ah oui, mais ces gens qui sont là, ils sont des vieux, expérimentés, ils connaissent les sorts de créer les mêmes. Francine Muyumba, 35 ans. Mais Francine Muyumba, 35 ans, mais il a une grande expérience des charges que cette femme-là a supporté dans ce pays. Il a une grande expérience en politique. On ne peut pas, puisque c'est une femme, on la méprise. Non, non, vous devriez cette femme-là. La traversée de cette femme-là, c'est toutes ces étapes de mission. La présidente de l'Union des Panafricains. Ah voilà, c'est déjà une expérience. Elle est des entrées politiques, elle est des milieux politiques. Elle entend des choses tous les jours. Elle vit, elle respire que la politique. Une personne comme ça ne peut pas. Ils vont aider Félix Tshisekedi à ne pas être destitué. Tshisekedi ne peut jamais être destitué par quelconque histoire. Et si oui, cela se fait. Ça ne peut pas se faire parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi est en train de jouer sur ce qu'on appelle majorité populaire. Nous, majorité parlementaire, FCCA. Mais majorité populaire, nous l'avons. Nous, Tshisekedi, il y a 80 millions de Congolais qui sont derrière Tshisekedi. Combien de fois Kamere Luaganingi a contesté les pouvoirs de Kabila sans avoir un résultat? Combien de fois l'IDPS, Tshisekedi et autres, ils ont contesté? Vous pensez que cette majorité populaire peut changer les choses au niveau du Parlement si le Parlement décide? Facilement. Nous allons les encercler là-bas, les prendre en otage. Ils ne vont pas sortir ces jours-là. Et personne ne peut pas oser. Avec le signal d'hier, c'est un signal fort pour que, attention, vous êtes à l'intérieur, vous êtes que 500. Nous, à l'extérieur, nous sommes plus de 80 millions. Nous allons vous envahir ici. 80 millions, vous mettez tout le monde. Mais tout le monde. Vous n'avez pas respect à la liberté d'opinion. Non. Vous êtes sûr que les 80 millions qu'on déconne. D'ailleurs, Félix, dans vos résultats fabriqués, là, Félix a fait 36%. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas aimé dans les pays. Non. De toute façon, ça. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas. Alors, n'engagez pas les 80 millions. N'engagez pas les. Non, restons scientifiques. Non, retirez au moins les 80 millions. Dites au moins. 15 millions de Congolais. Parce que la plupart des gens n'avaient pas voté. On a dit que Félix a été élu par 7 millions. Je te dis, 7 millions. Le pourcentage global de ceux qui avaient voté, ouais. Man avait estimé ça à 38%. Oui. C'est-à-dire même 50% des Congolais. C'est-à-dire que quand j'ai dit 80 millions, beaucoup de gens, la majorité silencieuse, qui ne s'était pas prononcée, cette majorité existe. C'est dans le calcul. Cette majorité-là est derrière Félix. Et derrière Félix. Moi, je suis un homme du peuple, je suis dans la population. Il faut prouver. Et derrière Félix. Par exemple, moi, je n'avais pas voté, mais je suis derrière Félix. Vous savez combien de gens comme moi n'avaient pas voté? Ils sont derrière Félix. Ils sont combien? Non, vous courez derrière vos intérêts. Il n'y a aucun intérêt. Moi, j'ai travaillé pour ce pays. Si j'avais besoin de l'été, j'allais rester en Europe manger des beefsteaks. Quand j'ai tout abandonné, j'ai laissé ma femme et mes enfants. Je suis venu ici, ce n'est pas pour jouer. Vous cherchez les branches. Non, Katumba cherche un ministère. Vous savez, il a tenté avec être chef de la maison civile, ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, il est là, il attend peut-être le ministère des Affaires sociales. Non, moi, Katumba, ce n'est pas des fonctions qui me font un promet. Non, moi, je suis comme Vital Kamerhe. On dit, je n'ai pas. Moi, j'ai les ambitions et je n'ai pas d'obsession. Moi, je peux devenir cantonnier. Au marché central, ce que j'ai fait du marché central, tout le monde va commencer à vouloir désirer être cantonnier au marché central. Moi, je n'ai pas d'obsession pour le pouvoir. Moi, j'ai l'ambition pour le pouvoir. Je suis prêt à faire n'importe quel job pour mon pays et le faire avancer. Comme le job que j'ai fait déjà, je suis communicateur attitré. Je ne suis pas un communicateur comme ça, désillusionné. Je suis un communicateur attitré. J'ai dit la vérité au peuple congolais. Ce pays, vous devrez savoir que... Un sociologue est celui qui a fait le journalisme ou la communication des organisations qui nécessite d'être un bon communicant.
Je suis communicant, naturel d'abord, en dehors de tout ce que j'ai fait comme étude, je suis naturellement communiqué, sans oublier que je suis prédicateur, qui n'a pas d'abord connu l'école théologique. Mais qui envoyait les gens de quitter l'église. Non, qui disait la vérité aux pasteurs malfaiteurs, des vendeurs de rêves, des pasteurs commerçants, ça, je serai contre eux jusqu'à la fin du temps. On ne peut pas faire d'un temple de Dieu un temple de vendeurs de pigeons. Ce sont des gens qu'il faut montrer ta peur et puis de récupérer la Bible. Ils ne méritent pas d'être appelés serviteurs de Dieu. Ok, Bishop Chatumba, on avance pour aller. On me signale que nous devons tendre vers la fin. Mais nous voulons savoir, Bishop Chatumba, Bino Cash, les lobos ont été la FCC Maboko. Quand FCC wana baké iko coopéré na cour constitutionnelle, ben invalidé à ba député à la Mouka. Vous ne voyez pas que c'est bon ma retardement parce que Kabila a 456 députés, vous aurez 44 députés et vous allez à danger pour Nabino. Et vous préférez tuer vos frères au profit de votre ami parce qu'il vous a donné le pouvoir. Il dépasse à que 12 députés au Parlement. Je prends d'abord l'exemple de l'IDPS. Mais Kabound a été voté de par les 350 députés. Les 350 sont venus d'où? Mais un poste sur 7, c'est normal. Non, j'étais. C'était ça la cohabitation. Bah, voilà, c'est pour te dire que moi, je considère que ceux qui sont au Parlement sont des Congolais. Ils vont travailler pour le bien de ces pays. Et puis nous travaillons dans une coalition. Une coalition, même s'il y a 2 sur 500, sur 488, même s'il y a 2, comme c'est une cohabitation, on ne va pas s'éteindre l'un de l'autre. Puisque les résultats, la ressource du Gengrand, c'est ce que dit, profiterait et à l'UNC, à l'UDPS et au FCC. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Puisque ceux qui nous guettent, qui veulent le malheur de ces pays, on ne va pas leur donner la chance. Les lamoukistes, devenez chômeurs, allez dans l'opposition. Nous vous attendons à l'opposition. Puisque nous avons besoin de l'opposition forte. Avec Fayoulou, avec les autres, les gens de même pas. Même quand vous empêchez Moïse Katumbi, que vous jugez d'être frère de Félix, empêchez son atterrissage à Goma. Après, vous prenez un état de. Non, Moïse Katumbi est en train de manipuler l'opinion. C'est la deuxième fois de son voyage. On lui avait dit l'autre fois, parce qu'ils ont confondu l'époque. L'époque de Tshisekedi et de Kabila et de Moïse Katumbi, ils survolaient l'espace congolais comme ils voudraient. Mais maintenant, aujourd'hui, pour survoler cet espace aérien, il faut demander l'autorisation de la présidence. Mais Moïse Katumbi ne le fait pas. Et puis Moïse Katumbi savait que. Il a fabriqué votre président. Mais ce n'est pas nous. Il est déjà président. Qu'ils ont fabriqué par X ou Y, c'est que. C'est son jeune frère. Mais il est président de la République et de Moïse Katumbi. Bénéficiaire. Il est président de tous les Congolais et de Moïse Katumbi dedans. Quelqu'un qui a dit qu'il a fabriqué le président. Qu'il se fabrique d'abord lui-même président, parce qu'il ne peut pas fabriquer l'autre. Tu ne sais pas te fabriquer toi-même. Non, ça, il a financé d'abord ses élections au congrès de l'IDPS. Non, tout le monde. Non, ça c'est lui qui dit. C'est lui qui lui doit la reconnaissance. Non, c'est lui qui dit personne n'a preuve de ce qu'il commence à se fabriquer lui-même. Au lieu de fabriquer quelqu'un d'autre, fabrique-toi. Vous l'avez invalidé, vous, CDF. Non, ça c'est du mensonge. Lui, il n'a pas été retenu parce qu'il avait des démêlés. En justice. Il a fui lui-même le pays, il est allé se réfugier. Alors ça, on ne peut pas, il est déjà retourné dans le pays, on ne peut pas remuer les couteaux dans la plaie. Il est déjà parmi nous, il est déjà frère congolais, qu'il fasse son travail, qu'il attend 2023, s'il est challenger, et nous allons le gagner parce que 2023, c'est Vital Kamerhe Luwakanyi-Nyikin qui va récupérer la situation, et nous allons gagner les élections haut la main, parce que il peut. Le pays sera assiégé officiellement. Non! Nous allons diriger ce pays pour le bien-être des peuples congolais. Les peuples congolais, l'autre objectif, c'est que le peuple congolais trouve sa sérénité. D'ici 2010, dans 20 ans, nous voulons que ce pays soit un pays émergent. Un pays émergent avec la présence des étrangers à la tête de ces pays. Je ne sais pas, nous serons dans quel pays. Bishop Chatumba, nous arrivons à la fin de cet élément. Pouvez-vous nous dire à quand la sortie du gouvernement? Non, on nous avait dit qu'à 72 heures. Nous attendons 72 heures. Depuis qu'on nous a beaucoup promis. Parce que nous voulons faire quelque chose de parfait. Voilà pourquoi ça prend du temps. Ça me semblerait que vous aurez 20%. Même si nous aurons 10%, ceux qui seront dans les gouvernements sont des Congolais. C'est honteux. Non, ce sont des Congolais. Aujourd'hui, Tshatumba applaudit Kabila. Kabila, pour moi, Kabila, c'était un héros.
Kabila, c'est un père de l'alternance. Vous parlez de quel, Kabila, j'ai dit que c'est un père d'alternance. Ça, on ne peut pas jouer. C'est lui qu'on accuse les criminels d'Armand Tungulu, de Luc Nkulula, de Rossi Chimanga. Non. Ce sont les opposants d'hier qui l'accusaient, entre autres Kamere Luakanyini King, entre autres c'est Félix Antoine Tshisekedi. Ces mêmes criminels que vous nous avez fait entendre, aujourd'hui, il devient héros. Justifie les moyens. Kabila devient héros. À la fin, il a compris que je peux tuer tout le monde. Ndenge balobaka na biso na kasa yi balobaka elanga isisaka pokute abomaka asali suka suka babuki sidite elangeleki Kabila aski na kate elangeleki lelo to komini tapu mususu tomuni suka Kabila elengi ta permanence ayi depesse batumba bango na yoke la bafani bakufi ba batrena bomo batrena bomo to continue la vie. C'est comme ça que le monde est crache sur la mémoire de ces. Moi je dis la vérité. Donc on ne peut pas s'arrêter parce que Boutoukoufi. Boutoukoufi na guerre il y a 100 ans. Boutoukoufi na révolution française. Le France est ton âme. Boutoukoufi na démocratie. Boutoukoufi kaka. Boutoukoufi kaka pour installer un état de droit. Boutoukoufi kaka. Boutoukoufi kaka. Tozou bunda. Mikoni tozou Boutoukoufi na benit. Félix Sabaga qui va dans une soirée du pouvoir, ça fait 5 mois. Azo Kenete, Abimi Mbamo démagogue. Allo Bakia au Kendekovanda, Kuna, mais Azo Kenete. Ce qui a Félix et sa présence de son autorité doit être établi. Ce qui n'est pas encore vu jusque-là. Non, non, ça prend du temps. Ça prend du temps. Pendant que les gens meurent. Tango, Kokolona Ngaï Ngaï, Nakolona Madesu, Sabi Kumbari Kisene, Ngaï Ngotan Natongo, Napoke Bimé, mais Madesu, et Kosala, Inane, Zobi Matemu, Madesu, Badu Bimaribela, mais Ngaï Ngaï Pou, deux jours et Bimi, Badiango Sidi, mais Madesu, ça prend du temps. Félix Tshisekedi n'est pas dans les conséquences de la misère congolaise, Tshisekedi est dans les causes. Qu'est-ce que le pays, pourquoi le pays est arrivé là où il est arrivé? Voilà maintenant c'est tout. Entre-temps, les gens meurent. Ah, nous cherchons les causes jusqu'au démantèlement de toutes les causes et le pays va démarrer définitivement. Bishop Tshatumba, si possible, un mot par rapport à cette émission qui touche à sa fin. Vos coordonnées, comment vous atteindre? 0840. Non, plus 240. Plus 240. Ça, c'est le code combat. Plus 240, 800. Plus 243. Plus 243 par an. Plus. Plus foncier encore. Ah, plus 243. 840, 364 et 170 taïens. Ça, c'est les charismatiques de Tshatumba, les pasteurs de people. L'héritier spirituel de Vital Kamer, Luakanyini King. Attendez-vous que demain, il va insulter Félix Antoine Tshisekedi lors, lorsqu'il y aura la séparation de Vital Kamer. La vérité, Vital, dans la politique, il n'y a pas de problème. Mais Fayoulou, il a trahi à Lukaki Doua Tshisekedi Félix. Fayoulou a été en train de raison. Il y a lobby pour Félix. Non, Félix, tu sais que Fayoulou a accueilli Kosala Kistar. Na matanga maître Yolo, a Kosala Kistar. Na matanga Lutumba. Mais matanga père idéologique a été. Parce que vous avez invité Kagame, vous avez invité Sassou, vous avez invité des gens, et y compris Moïse Katumbi vous a demandé qu'il vienne pour passer permission. Yo, Tshatumbozo, bête à tolo, parce que y'a pas eu qui va place dans la tribu. Kagame, wana. Fayoulou a bêté que ma solo, ma beaucoup. Et Kagame a commis quoi, qu'on libère Ngaï. Kagame a rubiqué, cour constitutionnelle, copibilité, jusqu'à ce que j'arrive. Ah, Fayoulou a salé ma médaille champagne, la poteau. Ma médaille champagne, ma beaucoup, que tu vois, médaille champagne. On parlait de l'Union africaine, mais vous avez invité la personne de Kagame et vous avez demandé au peuple congolais d'applaudir pour Kagame. Mon toi, dirigeant Kagame, Kagame a zoé, Yakoussi, c'est les Kambo ici. La politique congolaise ne pardonnera pas. Chez Kagame, le Kagame aïe, mon toi, dirigeant Kabila, mon toi, tchaka, mais dans le pouvoir. Et si Kagame, tout bouillé, aïe, aïe, tapé, tout court constitutionnel, et vota, et publia, Félix, c'est que je me présente, il est loïc, car Kagame aïe, qui correspond de la matanga, ami, qui vient aïe. Vient aïe. Bo, attristé. Moli moti seke dia monika gamme et ça mon toi ça ne sengol ko tseke parce que matanga ya degré wana chef de l'état na Congo te kal ko sa de matia degré wana ko lo mokote matanga ya boy ya chef de l'état et puis déclaré héros non cordon ah mais cordon mais cordon nous avons que deux héros ah mais héros Lumumba et Kabila mais tu sais qu'il va vers être un héros, c'est un héros qui mérite d'être un héros depuis que Lumumba et depuis que un héros qui est décédé par une maladie. Mais héros qu'on fait dans les nions, bah quoi c'était, bah quoi c'est que héros qu'on fait dans ma société, ouais les gens, c'est quelle philosophie?
Non, Nelson Mandela a été décerné prix Nobel de la paix en 93, loin. Il a été héros vivant. Ah, c'est pour dire que non. Mais qu'est-ce que tu sais qu'il a fait du Congo? Il s'est battu pour le pouvoir de l'IDPS. Démocratie. Bon, on me signale que nous sommes arrivés à la fin, mais j'ai... Non, soyons sérieux. Les micros aussi bien, démocratie au Zoroba. Où tu sais qu'il avait déclaré que Mobutu organise les élections? Mais tu sais qu'il a fait la question. Non, il y a une cour à l'histoire politique. Bien sûr. Talaka kuwana nebite wili makieshi yemdapesa ngakuwana sko kuwana on retrace tangilanga activité mon tiseke de obligé mon route élection ah mais comme ça binobo sa nakata nakata perte à mémoire perte mais tiseke asako bondelin té pour les multipartisme mais c'est pas et pour les élections démocratiques transparentes indépendantes il a eu. Oh, il n'a pas eu parce que la dictature était féroce, mais il a fait un démantèlement de la dictature jusqu'à la fin. Il a mis Mobutu à genoux, Kabila père à genoux, le Kabila fils à genoux, le père de la démocratie congolaise, un héros national. Un opposant éternel, parce que lui a donc... Jusqu'à sa tombe, il s'oppose à Kagame que vous avez fait. Non, il s'opposait aux antivaleurs, aux voleurs, aux antivaleurs. Qui après lui, ses voleurs sont devenus des héros. Non, qui après lui, aujourd'hui, les Congolais sont dans la démocratie. Ah, on ne finira pas cette émission, Bishop Tchatouma, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Saddam qui était derrière la caméra. Merci à Fils Nzabi au montage. Merci à Francine Ngembe, la patronne de cette grande chaîne officielle. Banque mondiale, exemple à suivre. Houston Biembe à Newsland, merci à Papa Kélani Marcel, hein, le cœur des mamans ni à Suisse, hein, donc à Sia Moulex encore de la part de Saddam. Donc on est là ensemble, Bishop Tchatouma, on s'est dit déjà au revoir, nous allons nous retrouver très très prochainement à chaque fois qu'il y a l'actualité. Et d'ici là, chers messieurs, portez-vous bien. Congodialogue.com